Bonjour mesdames et messieurs, voici la nouvelle vidéo de Kentucky sur Gran Turismo 6, encore une fois. Non seulement parce que ça me tente et c'est un jeu que j'adore, mais que je joue pas trop dernièrement. Quoi, j'ai commencé à jouer un trip de GTA 5 en fou malade. Donc je ne faisais que courser, courser dans GTA 5. Donc je me suis dit pourquoi courser lorsque je peux courser dans ce jeu-là. Ma BMW M3 a plus de puissance que ma BMW M4. Mais on va conduire une BMW M4 parce que on peut voir l'intérieur de ce véhicule et je ne l'ai jamais essayé. Donc pourquoi pas. Comparé à ma BMW M3, on voit juste noir à l'intérieur. Ça c'est parce que le jeu est fait ainsi. Et oui, j'ai décidé de faire une petite vidéo de Gran Turismo 6. Non, parce que je faisais juste courser dernièrement, donc à la place de juste courser, je me suis dit, il faut bien que. Wouhou! Je vais jouer contre des chars, des véhicules assez. Waouh! Assez bon. Tant qu'à courser dans GTA V et gagner toutes mes courses parce que je course bien, on va essayer de gagner les courses dans ce jeu-là. T'inquiète d'être surtout pas vraiment, vraiment, mais vraiment pas le même principe. Mais je vais essayer, et juste par les prévus de cette course, elle a l'air d'une course assez. Oh! Mon dieu! À des virages assez sérieux, et c'est vrai, j'ai commencé 6ème place dans ce jeu-là. Wouh! C'était parti! Oh mon dieu, c'est. C'est quoi cette course-là? Et j'ai changé mon costume de mon personnage. Ok, je pensais pas que les véhicules pouvaient déraper autant que ça. Pas grave. Pas la victoire. Ow! Je vois rien! Non. Mais elle avait dit de relancer. Bon. Non seulement je suis pas habitué à jouer à ce jeu de course là, mais j'ai désactivé toutes les aides de mon dernier souvenir, donc que c'est pas facile. Et une BMW M3 en avant. Donc faut que je fasse attention à la manière que j'avance recule. Et on a 3 tours. Ah! Ok! Désolé! Je m'en attendais vraiment pas à ça. BMW M4, au moins c'est le fun de voir l'intérieur d'un véhicule. Oh boy, j'ai pris un virage un peu serré. Ah! Le ton du véhicule c'était. Aïe aïe! C'était assez bizarre pour te dire. Et oh mon dieu, que ça va être une longue course. Ah. On ne fait qu'un tour en 2 minutes. Ça va prendre environ 6 minutes, les amis. Hey, le premier est vraiment loin là. Et oui, je suis pas vraiment le meilleur conducteur, mais. J'aimerais ça gagner. C'est normal. C'est normal! Oh mon dieu, il me semble que ce virage là, j'ai pas pris en vitesse. Faut que je fasse attention à mon accélération et à mes freinages. Wouhou! Non, 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 non! Wow! Quel accident! Oh mon dieu, l'accident-là m'a bouleversé la manière que je souhaitais réaliser. J'ai juste perdu une seconde après mon accident. C'était. J'ai trouvé ça réaliste parce que. Oh! Mon dieu que la perte de contrôle était fun!
Et voilà, j'ai conduit affreusement mal et je vous dis, mon auto est encore super belle. Pas un crash. Comment ça, j'ai déjà rattrapé, promis. Avec le super gros accident que j'ai pris. Non, j'aurais pas dû toucher. C'est une BMW M3 en avant. TFL, la version qui n'a seulement 1400 ans dans le monde. Et voilà. Ma BMW M4 est plus puissante, voyons. Oh mon dieu, là, il va falloir que... Oh non, non, non. Oh, je suis pas bon conducteur. Je le vois. Et il faut se dire que la course est... n'est pas la plus simple. Oh mon dieu, que le véhicule là, quand t'accélères, il y a du torque, on appelle du torque. La BMW M4. Wow! Et je... J'ai peur d'aller vite. Oh wow! Faut que je fasse attention à ma conduite. Et voilà. Attention à ma conduite, faut pas que je donne trop de garde. Ça c'était parfait. C'est un petit peu trop vite. Ici. Non! Fallait que t'arrives au dernier tour, puis encore là, t'as reculé pas. Le véhicule ne reculait pas. Tu n'y es plus. Hey, t'es vraiment décevant. Tout ça à cause que je ne savais pas régler et une erreur, encore une fois. Ah. Je suis déçu. Fait deux fois ça m'arrive. On a quand même gagné 10 000 là, en étant deuxième place. Wow. Donc on va faire une autre course cette fois-là, on va la faire... On va faire une autre course, inquiétez-vous pas. Et oui, il y a un accident que j'ai pris qui était... vraiment réaliste. La taille des étoiles. J'ai gagné 100 étoiles en tout dans le jeu. Ouais. Celle-là a de l'air plus simple. On prend le BMW M3. Je vais vous montrer plus puissante quand même. Mais ça, c'est BMW M3 2004. Je trouve ça plate qu'il n'y ait pas la 2005. Mais bref, on peut pas tout avoir dans le jeu. Et je trouve ça plate qu'on voit pas l'intérieur. Ça, c'est un autre gros défaut. Donc, nous avons été deuxième place à une course de laquelle j'ai pris beaucoup d'accidents. Il y en a une que j'en ai pris une quasiment. Je sais pas, faudrait que je regarde le replay. Là. Je vais être au moins à 160 km/h facile, c'est pas plus, lorsque j'ai pris mon accident. Au début, je savais pas si j'allais la reprendre en fait, parce que véhicule gauche-droite, à un moment donné, ça allait jouf, perdu le contrôle, ben raide. Mais je crois que j'ai quand même beaucoup gardé. Et tout en partant, le ton est vraiment pas pareil. Mais vraiment pas beau non plus. Mais ouais. Vous savez que les BMW à ce jeu-là n'ont pas le meilleur contrôle comparé à d'autres véhicules que j'ai essayé. Ça, faut que je me le dise. Donc, faut que je fasse vraiment attention à ce véhicule-là. Parce que quand j'accélère, c'est pas long que je change de vitesse, le véhicule commence à déraper. Ouf, je perds tout le contrôle. Hey, on est 10 dans cette course-là. Wow. Trop vite. Là, je fais. J'ai tellement manqué ça. Je vais breaker à la dernière seconde, mais non.
Oh, le temps est en pas prêt. Voilà ma BMW maganée. Je vais vous la montrer. Tic, elle est pas belle. Ben, elle est pas belle. Bof. Elle est belle, ouais, elle est belle. Oh, j'ai accroché un. Mais je l'ai coupé en fait là, mais... Vous voyez, quand je vous dis qu'elle perd de contrôle, c'est vraiment facile cette véhicule là. Donc faut que je fasse très attention. Là j'étais là dans le fond, comme vous avez vu, j'ai parti à déraper direct. Donc ça pourrait être un char de drift, bien évidemment. Parce que on peut tellement le manier comme qu'on veut. Donc quelqu'un qui connaît ton véhicule. Oh non non non. Waouh. Ça c'est à cause qu'il y en a un qui m'a frappé et deuxièmement je l'ai trouvé. Deux beaux virages affilés. Il me reste un tour pour me rattraper une Lotus, ouais. C'est parti. Oh mon dieu. Ça c'était proche de la catastrophe. Mais... Waouh! C'était vraiment aux limites du véhicule. Et là, j'ai encore fait des accidents. Je vous dis, je ne suis pas le meilleur à conduire. Mais heureusement que je joue. Faut te dire que quand même assez facile. Parce que au nombre de murs que je me prends d'accidents. T'entends-tu qu'en vraie vie, je serais déjà resté là. Et je n'aurais pas continué. Mais pas grave. Ici, je vais freiner cette fois-là. Et voilà! Peut-être pas accélérer au bon assez vite, là, faut te dire. Mais. Mais c'est pas grave. Cette virage est quand même assez dur à prendre, oui. Bon, je crois que ça va être mon tour le plus vite. Et oui, ça va être une victoire assurée, faut te dire. Mais ça a bien été. Wouhou! 1 minute 21. C'est mon tour le plus vite. Yay! Une victoire. Ouais, ouais, ouais. T'entends que t'as... J'ai... C'était plus facile, t'as bien... J'ai pas fait de grosses erreurs. Oui, j'ai foncé des murs, mais... Je suis indestructible! Eh oui! Wouh! 37 000 déjà, t'es payant cette course-là. Oh là là! Et on pourrait quasiment faire l'autre course tant qu'être là. Faire les trois de cette série-là. Et oui, pourquoi pas. Et je pourrais essayer un véhicule différent à chaque fois que pour vous. Ça ne dérange vraiment pas. Et voilà, on fait là qu'elle doit avoir vraiment beaucoup de virages. Je vais vous montrer une Subaru Impreza modifiée à fond. Pratiquement. C'est sûr que... On va s'essayer, mais là les véhicules vont être beaucoup plus puissants que moi. Bon, on s'essaye quand même. Et vous allez voir toute la différence de contrôle. Oh mon dieu, que cette Subaru Impreza là va bien. La garde de contrôle là-dedans, elle a difficile à perdre de, difficile à faire des pertes de contrôle. Et là, je suis en 10e place contre des... Ah, oh, j'ai même une... Je course même contre une Subaru Impreza. Mais je suis sûr à 100% qu'ils ont des... Beaucoup, sont toutes... vous voyez directement que... Les moteurs qu'ils ont, puis en plus, c'est des longs bouts de doigts. Oh, j'ai peut-être pas choisi ma course. Justement, par une longue ligne droite, je vais me faire rattraper assez vite. Merci, bonsoir. Comparé à des virages, c'était ma seule... C'était ma seule façon de m'en sortir. Comme vous voyez... J'ai bien fait mon virage. Là, je conduis à droite. Oh là là, je suis perdu. En fait, écoute... J'y rattrape, mais j'y rattrape pas super vite. Mais ce sont pas les difficultés les plus difficiles, les ennemis.
Oh, j'ai beaucoup de taureaux freinés. Mais t'as vu que là, je peux accélérer à fond. Je peux garder le contrôle vraiment facilement. C'était que là, j'ai pas été freiné à ce virage-là, là, c'était juste ça. Mais je vous dis, il est vraiment facile à contrôler cette véhicule-là et il ne coûte pas vraiment cher. Ah, je connais pas la course. Laisse-moi te dépasser! Ah! Et voilà! Ça court, ça court! Oh mon dieu, hein! Trois tours à cette course-là! Ça va être assez long, hein, mon dieu! Je vais attendre. Ah, oh, what? Mais tu fais te foncer dedans! Non, qui est vraiment à mon angle mort. Ah, oh, mais me faire foncer dedans me. Faites perdre toute ma vitesse. Et en plus, que là, je suis dans le long, long bout de doigt. Cette course-là va être affreusement longue pour terminer, mais va. Un autre 2 minutes. Ah, c'est décevant. Bon. Ah, voilà. Pas grave. Ça me surprendrait que je gagne, on sait jamais. Non seulement que si je conduis de la manière que je conduis, c'est pas de pire. Et là, je vais arriver dans un bout où il y a des petits virages. C'est vraiment après que j'ai pris un accident et un qui m'a foncé dedans en plus. Cette petite situation-là m'a vraiment pas aidé. Oh non. Tiens, aide-moi. Merci. Et là, que j'ai vraiment pas freiné au bon moment, je ne mérite pas la victoire du tout. Mais ça reste qu'il reste un autre tour après ça, ça on sait jamais. Mais non, je mérite pas la victoire, c'est certain. 6 secondes, ah, c'est loin, c'est loin, c'est loin. Wow. Attends un bon virage, j'ai rattrapé tout, mais la difficulté est vraiment au plus facile. Bouge! Bouge! Bon, troisième. Et là, je suis peut-être 3 secondes en arrière. 3-4 secondes en arrière du premier. Vous voyez, cette véhicule-là va affreusement bien. En fait, j'ai lâché. Pas prêné au bon moment, j'ai pas mal. Oh mon dieu, hein. Dépasse une corvette en Subaru. Ah! Ah! Mais maudit que je conduis mal, faut te dire. Ok, t'es, faut que je fasse vraiment attention. Faut que je surveille l'arrière du char pour pas me faire dépasser. Parce qu'il y a une corvette en arrière de moi. Oh mon dieu! Mais t'as regardé que ma Subaru est quand même beaucoup modifiée, faut te dire. Et je me suis mis juste de cette vue-là que pour garder mon. Pour m'aider en fait. Parce qu'il faut se dire que la corvette me rattrapait vraiment à grands pas. Qui est tout à fait normal. Mais il va falloir que je fasse la même chose au dernier tour parce que sinon. Elle va me déporter, c'est certain. C'est la seule manière que je peux gagner. Et ça va faire une course différente avec 200 pp de moins facile et même. Je pense qu'on va me faire gagner un trophée.
Toi, t'es vraiment, mais vraiment plate. L'erreur que je viens de faire. Deux fois, même virage. Coûte la vie. Mais encore une fois, je suis à la même distance que la Corvette. Fait que si je fais la dernière chose que le tour précédent, j'ai encore une chance. Mais ça reste que wow qu'elle va vite. Vous voyez comment je peux freiner à la dernière minute avec la Subaru. All the way drive, ça l'aide. Ça l'aide beaucoup. Et voilà, il suffit de faire des virages assez bien. Et les autres, ils font beaucoup plus. Ils conduisent de manière beaucoup plus prudente que moi, donc. Je peux me permettre d'avoir de. Une meilleure performance d'un virage dans. Bref, dans certains virages, ceux que je manque pas plutôt. Et voilà, quelle beauté ce jeu quand même. Wow, je sais pas si j'ai bien fait ces virages-là, mais je sais juste que ça a été vraiment vite. Oh! Ça, t'as pas fait du bien. Le cogner à la fin, j'ai dit, je vais essayer de prendre le plus d'accélération que je peux. Ça m'a coûté. Bon, bref, faut faire attention si la Corvette arrive à grands pas vers nous. Et je suis déjà à 200 km/h en Tiberi. Wow! Et j'ai gagné. C'est pas fini. Oh wow. Je pensais que c'était fini. La ligne d'arrivée est où je pense. C'est juste là la ligne d'arrivée, hein? Dis-moi pas si c'est ça. Et là-bas, là, je la vois, ça c'est la ligne de Vitouk. Wow. Je n'avais aucune idée que la ligne d'arrivée était là. Wow, ça m'a coûté la vie encore de mal conduire à la fin. Je suis vraiment pas bon, mais bref. T'as quand même fait battre pas une Corvette. Ah, oh, j'aurais aimé ça gagner. Il était si prêt pourtant. Mais oui, il suffit de mal conduire. Ça fait la différence. Bon, bref, ça va être tout pour cette vidéo, les amis. Quand même une vingtaine de minutes pour dire c'est beaucoup. Et on aurait quand même gagné le championnat là parce que 2-1-2. Ben t'as dépendant en fait. T'arrêtais le championnat, t'aurais dépendu si t'arrêtais la même personne qui a gagné première place durant les deux autres courses. Mais ouais, voilà. On a fait notre mieux. Et oui, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à laisser un j'aime et commentaire. Et moi, ça ne dérangerait vraiment pas de refaire d'autres vidéos de ce jeu. C'était vraiment le fun. Même si je suis pas vraiment un bon conducteur, mais en tout cas, ça va s'améliorer. Et c'est donc que je vous dis ciao.